Paris au printemps, rencontre avec Maria dans le métro. Maria a 64 ans. Elle est employée de maison. Elle n'a jamais rien fait d'autre, m'explique-t-elle, et ne s'est jamais demandé si ça lui plaisait. Par contre, elle m'assure qu'elle fait la cuisine mieux que personne. Maria vient à Paris deux fois par an pour faire des courses. Nous sommes dans la ligne 2 et elle retourne à Vaucresson. Maria s'en fiche des transports en commun. Elle n'a rien à leur reprocher. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi les gens trouvent toujours que c'était mieux avant. C'était pas mieux avant, c'était pire. Sauf les gens qui sont de plus en plus exigeants et qui se plaignent tout le temps. Maria est un peu ronchon quand même. Quand je lui dis, elle me demande ce que ça veut dire. On a un fou rire parce qu'elle n'arrive pas à se laisser photographier de face. Ça me bloque, j'arrive pas. Elle regarde la photo et se trouve trop sérieuse dessus. Maria n'a aucun conseil ou message à donner, puisque de toute façon, les jeunes n'écoutent jamais rien. À une prochaine fois, Maria.